Salut mes chouchous, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, une capsule importante pour moi parce que c'est une des choses que, en tout cas l'un des sujets que j'aborde le plus souvent avec mes clients en coaching dès que je démarre mes coachings avec eux. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'une totale disponibilité d'esprit. Et si vous voulez avancer et réussir dans la vie, vous aurez besoin d'une totale disponibilité d'esprit. Alors naturellement, on va parler passé, présent, futur. Vous allez me dire, David, ouais, je sais, il faut vivre le temps présent, le moment présent. Je ne suis pas un grand adepte de Eckhart Tolle, par exemple. Moi, je n'ai pas apprécié obligatoirement les bouquins d'Eckhart Tolle. Et je trouve que très souvent, le mode de fonctionnement des personnes qui disent vivre dans le présent ne le font pas toujours. En tout cas, pas comme ils devraient le faire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une approche que moi, j'ai appelée « fermer les dossiers qui ont été ouverts ». Fermer les dossiers qui ont été ouverts. Et les dossiers qui ont été ouverts sont plein de choses dans notre vie. Et on a eu dans notre passé, ou parfois même dans notre futur, on va se projeter dans l'un et dans l'autre, et on ouvre des dossiers comme ça. Et tant que ces dossiers ils sont ouverts, on a du mal à avancer. Je vous explique, ça va être très simple. En fait, c'est quoi le présent? Première question. La deuxième question, c'est est-ce que le présent, il pourrait être parfait? Vous savez, par exemple, quand j'aborde aussi mon approche de développement personnel avec mes clients, je leur dis et je leur apprends à rendre le présent parfait. Ça veut dire quoi exactement? Et puis, il y a une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est comment optimiser la qualité du présent? Intéressant comme concept. Vous allez voir que parfois, un détail dans les événements de la journée, ça peut faire remonter en nous des souvenirs avec des charges émotionnelles énormes, hyper intenses. Et vous allez voir que souvent, le discours que nous tenons sur notre passé, ça prend la place de tout notre mental. Okay? C'est comme si ce discours, ce qu'on appelle le fameux soliloque, okay, remplace la vie elle-même. Vous allez voir qu'il arrive même qu'on se projette dans le futur avec tellement de force qu'on en oublie vraiment à vivre dans le présent. Okay. Et c'est vrai que c'est intéressant de rêver le futur et c'est vrai que c'est important de se projeter et de faire des plans. Mais être en fuite dans l'imagination, c'est aussi une manière de ne pas fabriquer l'avenir où il se fait. Et ne pas fabriquer l'avenir où il se fait, c'est quoi? Parce que l'avenir, ça se fait dans le présent, mes petits chouchous. Vous le savez bien. Il n'y a que dans le présent qu'on va construire réellement à travers nos actions le potentiel que nous sommes et puis ce qu'on veut réaliser. Alors, on appelle ça être en décalage temporel. Être en décalage temporel par rapport à la vie. Okay, une vie qui va se faire au jour le jour. Et ça, ça pose un vrai problème. Parce que vous allez voir que la perception de la réalité, elle devient amoindrie, elle n'est pas super fiable, et vous allez voir que nos réactions ne sont plus du tout adaptées. Et du coup, toutes les actions qu'on s'était promis de poser ou qu'on sait devoir poser vont devenir vachement difficiles à mettre en œuvre et à se concrétiser dans le réel. Okay, c'est ce que j'appelle, moi, matérialiser dans le réel. Et c'est vrai que c'est important de tenir compte de sa manière de vivre dans le présent. Parce que tout se construit ici. Okay? Par exemple, est-ce que vous avez un discours en tête en permanence sur votre passé? D'accord? Ça veut dire peut-être qu'il y a des situations qui ont été incomplètes dans votre vie et que du coup, ces situations, elles font obstacle à votre évolution, à votre possibilité d'avancer. D'accord? Écoutez ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'est important que je me répète. Se répéter, c'est éduquer. Tan 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 tan, tan tan tan. Il manque quelque chose, hein? D'accord? Et bien souvent, cette petite note qui nous vient du passé, on la ressasse et on ne ressasse qu'elle. Il nous manque un tout petit truc dans notre passé. Un dossier mal fermé, c'est un conflit avec un membre de sa famille, c'est un échec d'entreprise, c'est un boulot qu'on n'a pas pu assumer, c'est une opportunité à laquelle on est passé, et pourtant, ça nous pourrit la vie en permanence. D'accord? Alors, si par exemple, vous avez un mode de fonctionnement où vous pensez que, genre, le passé, c'est le paradis perdu et que plus rien ne sera jamais aussi bien qu'avant, vous savez, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, quand j'ai eu mon premier amour, quand j'ai eu ce fameux job qui était juste extraordinaire. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler, d'accord? Ça, c'est un premier signe avant-coureur que vous vivez dans le passé. Okay?
Et donc, du coup, vous sabotez le présent. Il peut y avoir un deuxième signe avant-coureur, c'est quand le passé, ça représente l'enfer, ça représente tout ce qui va être la culpabilité, les remords, les regrets, la colère, le fait qu'en permanence, je me dise « Ah mais regarde, à cause de ce que j'ai vécu là, ici, dans le passé, une fois encore, tu n'es plus dans ton présent, tu ne peux pas construire ton avenir et tu es focalisé passé. Ton mindset, il est passé. Donc toi, excuse-moi mon chouchou, mais tu es complètement dépassé. » Voilà, c'est comme ça. Et c'est pas qu'un jeu de mots. D'accord ? Il y a un troisième truc qui permet d'identifier qu'on est ou qu'on vit dans le passé, c'est quand le passé devient une sorte de lieu d'affrontement. Ok ? Ça veut dire, par exemple, tout ce que vous faites au quotidien, vous le faites en réaction avec ce qui s'est passé dans votre passé. Et naturellement, parfois au détriment de votre bien-être. Moi, j'ai un membre de ma famille, il fonctionne que comme ça. C'est dommage parce qu'en fait, du coup, plutôt que de construire dans le présent, plutôt que d'affûter son futur, bah, la personne, elle vit en permanence dans ce qu'elle pense qu'elle a vécu, et quand bien même ce serait vrai, eh ben, on se rend compte qu'elle est complètement à côté de la plaque et que quoi qu'il arrive, elle organise toute sa vie pour ne pas être heureuse. D'accord ? Alors, si vous passez la majeure partie de votre temps dans ces trois blocs de pensée-là, d'accord ? Et que vous ne pouvez plus avancer, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas envisager le futur, vous ne pouvez pas envisager même de fonctionner dans le présent, ça veut dire que le travail de développement personnel que vous devez faire, c'est une thérapie, d'accord ? Il va falloir vous débarrasser des vieux fantômes et des vieux dossiers de votre passé. Et ça, c'est important parce que c'est un bon indicateur, parce que souvent, on ne sait pas ce qu'on aurait besoin d'avoir comme type d'accompagnement. Je vous le dis, si vous êtes bloqué dans le passé, vous devez commencer par une thérapie, d'accord ? Peu importe le modèle, peu importe le fonctionnement, mais quoi qu'il arrive, vous aurez et vous avez tout intérêt à débloquer ces dossiers du passé pour pouvoir fonctionner au présent. Ça, c'est que si vous ne pouvez vraiment pas fonctionner en présent, d'accord ? Un passé difficile, il exige, vous avez bien entendu ce que j'ai dit, il exige qu'on s'en occupe, d'accord ? Sachez reconnaître les limites de votre propre compétence, mes chouchous. Et dirigez-vous vers des personnes qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir vous accompagner. D'accord ? C'est très important. Ne pensez pas qu'on puisse, si vous n'arrivez pas à fonctionner dans le présent à cause de votre passé, ne pensez pas que vous pourrez vous en sortir tout seul. Alors, peut-être vous le pourrez, mais ça va prendre combien de temps ? Vous ferez combien d'erreurs ? Faites appel à une personne compétente. Et je sais que, surtout chez les mâles dominants, et les personnes se disent « Non, mais moi, je ne vais quand même pas faire une thérapie. J'ai vécu des choses difficiles, mais ça va. » Ça va, mais en attendant, tu n'arrives pas à avancer dans ton présent. Et ça, à cause de ton passé. Et vous savez quoi ? Se faire accompagner n'est pas du tout une marque de faiblesse. C'est au contraire une très grande marque de grandeur. Parce que ça veut dire qu'on est dans l'humilité d'accepter qu'une autre personne puisse avoir des compétences, des clés, des notions qui vont me permettre de pouvoir réellement avancer. C'est clair pour vous ? Maintenant, il y a aussi un autre profil, ce sont les personnes qui vivent dans le futur. Et là, de la même façon, vous allez vous rendre compte que ces mêmes personnes, en fait, bah, elles ne vivent pas dans le présent. D'accord ? C'est-à-dire qu'elles vont s'empêcher de poser d'actions très concrètes. Pareil, il y a des critères. Vous savez, ces personnes qui ont toujours un projet en tête, elles n'en ont pas encore fini un, qu'il y en a un autre qui est en attente et qu'elles le démarrent. Et finalement, il y a des choses qui ne se terminent pas. D'accord ? Ça, c'est un vrai souci. Il y a aussi toutes celles qui disent que demain, elles feront, elles auront, elles vivront, elles sauront. D'accord ? Ça, c'est un vrai problème aussi parce qu'on s'aperçoit que, une fois encore, tout est une projection dans le futur. Mais c'est encore une façon de se déconnecter du présent. Et il y a enfin celles qui disent, vous savez, c'est pas grave parce que demain, je serai reconnu, demain je serai estimé, demain je serai aimé. Vous savez, ce qu'on appelle la pensée magique. Alors naturellement, c'est exactement le même problème que le passé. Okay. Rappelez-vous qu'avoir un projet, un vrai projet, ça n'empêche pas du tout de vivre en présent. Au contraire, plus tu veux être connecté à ton futur et plus tu dois incarner ton présent. Souvent ce que je dis, c'est plus tu as un projet rêve à 5 ans et plus tu dois avoir une exigence et une action à 5 secondes. D'accord ?
Une autre notion que vous devez aussi intégrer, c'est que l'élaboration d'un projet, ça prend peu de temps si c'est fait de manière productive. Ça ne sert à rien de rester 10 ans sur un projet, et parce qu'il ne sera jamais parfait. Donc tu peux toujours augmenter le temps du projet et te projeter dans le futur en disant « Non, mais je vais bien travailler pour être sûr que le monde, il aura bougé d'ici là. » Mais toi, tu n'auras pas bougé d'un iota. Donc c'est important à un moment donné d'avoir une vision, mais de l'incarner tout de suite. Une vision à 5 ans, une action à 5 secondes. C'est clair, mes chouchous ? Ok ? Et je vous ai encouragé un tas de fois à vivre des moments de rêverie éveillée. D'accord ? Mais quand vous ne faites que ça, comprenez, c'est une énorme perte de temps et c'est aussi une énorme perte d'énergie. D'accord ? Et si vous n'êtes pas disponible à ce qui se passe maintenant, ok, en fait, vous empêchez de saisir les opportunités. Tout ce qui va se présenter à vous, vous n'allez pas le voir parce que vous êtes ou dans le passé ou dans le futur. Mettez-le où vous voulez, ok. Et du coup, vous ne mettrez pas en place les conditions de votre réussite. C'est juste impossible. Et ce genre de voyage dans le temps, ok, dans le passé, dans l'avenir, comprenez que c'est une vraie façon. C'est un système de sabotage qui est une façon en fait de vous soustraire de votre présent. Et donc, c'est ultra important de sortir de cet enfermement mental. Okay ? Parce que finalement, vous vivez dans un monde intérieur, mais vous n'êtes pas connecté au réel. Okay ? Vous devez revenir dans le présent, vous devez revenir dans la réalité. Vous savez, on dit que le dormeur doit se réveiller. Un dormeur, c'est quelqu'un qui rêve. Réveillez-vous, mes chouchous. Réveillez-vous. Il y a une chose que j'adore, moi, dans le monde de l'entreprise, c'est quand vous faites un bilan, on a un poste dans le bilan qui s'appelle pertes et profits. Pertes et profits, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est les petits investissements ou les vrais investissements que tu as fait, ça ne s'est pas concrétisé, ça n'a pas marché. Et il y a un poste pour ça. Il y a un poste pertes et profits. C'est-à-dire, ok, tu as joué, tu as perdu. Alors, tu as deux possibilités. Ou tu passes toute ta vie à penser que tu as joué et tu as perdu, et que c'est injuste, et que c'est pas normal, et tu vas ressasser ça toute ta vie. Mais quoi qu'il arrive, tu joueras plus. Ou alors tu te dis, je jouerai demain, mais en attendant, tu joues toujours pas. Réveillez-vous, mes chouchous. Réveillez-vous maintenant. Vous avez le droit d'avoir une vision du futur. On a tous un passé, mais on doit faire le choix de vivre dans le présent. Et ça, vous savez quoi ? C'est un choix, c'est une décision qui n'appartient qu'à vous. C'est clair, mes chouchous ? Bon. Dernier petit point de détail. J'ai recherché dans le dictionnaire ce que voulait dire le présent. C'est quoi le présent ? Ok ? Et oui, c'est intéressant parce qu'on disait que c'était une partie du temps. C'est en clair une durée distincte qu'on oppose ou au passé ou au futur. Opposable au passé et au futur. C'est intéressant comme définition. Après, on vous dira que le présent, c'est personne qui est dans le lieu, une personne qui est là. Okay ? On dit aussi quand une personne elle est présente, on dit que c'est une personne qu'elle est consciente, elle est présente. D'accord ? Ou alors, on dira à quelqu'un qui est présent qu'il est disponible pour faire quelque chose. En clair, quelqu'un qui est présent, c'est quelqu'un qui existe. Okay ? Ça se produit maintenant. On est dans le maintenant. Je suis en train de faire les choses. C'est pour ça que le maintenant, c'est l'action. D'accord ? Puis enfin, vous l'avez bien vu avec tous les textes de développement personnel qui circulent sur Internet, sur les réseaux sociaux, on dit que le présent, c'est aussi un cadeau. On appelle ça un don, une offrande. Donc quand on fait un don, une offrande, on fait un bienfait, on fait un présent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le présent, c'est ici maintenant. C'est être là où ça se passe. Et c'est un cadeau. D'accord ? Alors, est-ce que le présent peut-être parfait comme il est, je crois que oui. Okay ? Parce que le présent, c'est le lieu de l'apprentissage où vous, moi, on va trouver exactement ce qu'on a besoin d'apprendre pour passer à un niveau supérieur. Ici et maintenant. Et j'ai envie de dire, de toute façon, la réalité, hein, ce qui est en train de se passer, qu'on soit en accord ou pas avec elle, ce qui est, mes chouchous. Ce qui est. Il y a un tas de choses que vous ne pourrez pas changer.
mais le rapport que vous avez avec votre présent, le rapport que vous avez avec votre passé, votre futur, compte tenu des décisions que vous prenez là maintenant, elles n'appartiennent qu'à vous. Ok mes chouchous? Alors, autant s'ancrer dans le réel, autant partir du réel pour baser notre vie et considérer tous les événements comme des possibilités, des défis, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Changer de point de vue. Changer de point de vue. Et changer de point de vue sur une situation, vous allez voir que ça transforme la perception que nous avons de cette situation. Changer de point de vue sur votre passé. Tu as eu un passé de merde, on t'a fait du mal, tu as eu des injustices. Ok. Ok. D'abord, un, t'es pas tout seul. Et deux, so what? Tu vas laisser ces événements te pourrir la vie. Tu vas laisser ces personnes t'handicaper à vie. Parce qu'en fait, il faut quand même que vous le sachiez que ces personnes, peut-être là, ne font plus rien aujourd'hui. Mais toi, tu ressasses. Donc toi, tu recrées. Donc toi, tu alimentes. Vous savez, mes chouchous, c'est dur ce que je veux dire, mais on a la vie qu'on mérite. On a l'entourage qu'on mérite. Et quand je dis ça, je sais qu'il y a des personnes qui disent « Mais quand même, on n'a pas mérité d'eux. » C'est vrai qu'il y a des situations qu'on ne choisit pas. Mais le mérite, il est lié à l'action que l'on pose face à une situation. Quand on dit « Vous savez, il a réussi, il a eu du mérite. » Ça veut dire que ce n'était pas facile, ce n'était pas donné, mais il a fait ce qu'il fallait dans cette situation-là. C'est ça le mérite, mes chouchous. Et on doit mériter notre vie. Exactement. En tout cas, c'est ce que je crois, c'est ce que je pense, c'est ce que j'enseigne. Et c'est ce que je transmets à mes clients et ça marche très bien. Vous savez, parfois, quand ça va bien, on se dit « Waouh, c'est les épreuves que j'ai traversées, elles m'ont musclé, elles m'ont permis de passer à un niveau supérieur, elles m'ont permis d'évoluer. » Et puis le lendemain, on ne sait pas dans quel animal t'as piqué, ça ne se passe pas comme tu veux, et là, tu rejaillis dans le passé. Oui, mais avant, c'était tellement mieux. Mais c'est le même passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est juste l'interprétation que j'en fais qui a changé. D'accord? Donc, en fait, en vrai, et je terminerai là-dessus, on a un vrai choix à faire. Ok? Est-ce qu'on fait du réel notre allié? Ok? Ou est-ce qu'on fait du réel un obstacle? Parce qu'on fait référence à des situations de temps. Vous savez, moi je pense que dès qu'une personne elle est présente à sa vie, elle peut avoir une influence réelle sur toute sa vie. Il faut juste être présent. Ok? Et je pense qu'il serait peut-être grand temps qu'on se pose tous la question. Qu'est-ce que je peux faire là, tout de suite, pour améliorer ma vie? Comment je peux faire pour optimiser mon présent? Comment faire pour que ma journée soit vraiment réussie, peu importe ce qui va se passer demain ou peu importe ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour faire réussir mon passé? D'accord? N'oubliez pas qu'un objectif peut être conçu à très court terme. Et on peut avoir un objectif juste pour les quelques heures à venir. Et c'est OK aussi. D'accord? Et que quand on est dans ces dynamiques-là, le futur devient quelque chose d'intéressant parce qu'on prend soin de lui quand on fait quelque chose dans le présent. Steve Jobs disait ça très bien. Il y a une citation de Steve Jobs qui dit « La meilleure façon d'inventer l'avenir, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Mais de l'inventer dans le présent. » OK mes chouchous? Bon, je vous aime. Si en plus de ça, vous avez besoin de support en termes de motivation, je vous rappelle que sur david-lefrançois.com, vous pouvez télécharger mon livre gratuitement. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Et j'espère vraiment que vous allez liker cette vidéo parce que vous l'avez aimée. Sinon, vous ne la likez pas. Okay? Et puis, partagez-la. Partagez-la parce qu'il y a des personnes qui, autour de vous, sont ou trop dans le futur ou trop dans le passé, mais elles ne sont plus avec vous, elles ne sont plus présentes. Et on a besoin de soi. Vous, eux, moi, on a tous besoin. Alors partageons mes chouchous, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous aime.